Alors bonjour, Lef. Aujourd'hui, je vous invite à goûter un nouveau menu. Ce n'est pas nouveau dans les habitudes culinaires africaines, mais c'est nouveau dans les aventures culinaires de Coco. Du manioc, des tubercules de manioc bouillis avec un peu de sel et une sauce aux légumes, feuilles de manioc accompagnées des arachides bouillis ou trempées et écrasées. Alors, un coco spécial au Gic Promena qui produit ses légumes depuis Bouda. Voilà, c'est une maman à moi. Au dernier voyage au pays, je l'ai visité et voilà. C'est pour faire la promotion, donc comme ça, des produits bio camerounais. Légumes bio, feuilles de manioc séchées. Mode d'emploi, tremper 30 minutes, une à des temps. Bouillir avec un peu de sel, j'aime. Assaisonner et mettre 2 verres d'arachide et tremper. Ça, c'est 100 grammes. Voilà, donc rendez-vous pour la suite. Alors, étape 1, bouillir les arachides. Étape 2, peler le manioc, bouillir le manioc. Étape 3, tremper 30 à 1 heure de temps, 30 minutes à 1 heure de temps avant, après bouillir avec du sel gemme. Étape 3, voilà. De la viande de canard déjà découpée, voilà. C'était au congélateur. Voilà. Voilà les ingrédients principaux. Bien évidemment, de l'huile, du sel, du poivre noir, du poivre blanc si vous voulez. Et voilà. Un peu de crevettes si vous voulez. Voilà. Rendez-vous dans quelques instants. Arachide en processus d'ébullition. Tubercule de manioc en processus aussi de coction. Voilà. Voilà mon légume au feu. Je vais y ajouter donc du sel gemme, communément appelé kanwa. Voilà. J'y ajoute et je vais laisser bouillir. En fait, voilà mes 3 foyers au four et au moulin pour vous faire le semaine spéciale. Alors, rendez-vous dans quelques instants pour la suite. Alors, pour écraser mes arachides, j'aurai besoin d'un robot de cuisine. Ce robot de cuisine est spécial parce qu'il vient de la marque Monsieur Cuisine Edition Plus. C'est un robot qui vous permet de faire plusieurs choses en même temps. Et ici, au-dessus, l'une des fonctions particulières, c'est que vous avez la balance, en fait. Donc, vous pouvez prendre le poids de votre objet. Vous pouvez prendre son poids. Vous voyez? Voilà. Vous pouvez prendre le poids. Ben, j'ai fait une petite erreur. Voilà. La première était la bonne. Voilà, vous pouvez prendre le poids de votre objet. Donc, l'une des particularités. Bon, ce n'est pas ça la fonction que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons utiliser sa fonction Molinex, en fait. Et voilà, c'est un robot fait tout. Ça vous permet de faire jusqu'au gâteau, jusqu'au pain. Plusieurs choses à la fois, à des températures variées. Alors, donc il s'agit juste d'introduire dans ce réservoir mes arachides. Voilà. Ajouter, bien évidemment, un peu d'eau. Voilà. Et c'est parti. L'écraser comme avec un moulinex normal. Alors, pour savoir que mon manioc est bien cuit, voilà, je le retire. Je m'assure que voilà, il est cuit à fond. Je peux goûter si je veux. Voilà. Parfait. Alors, rappelez-vous que notre devise, c'est de manger et savoir ce que nous mettons dans nos plats. Et l'autre seconde devise, c'est la cuisine à l'œil. La cuisine de maman, la cuisine de grand-mère. Pourquoi manger sachant ce que je mets dans mon plat? Donc, avant de répondre à cette question, je vous explique ce que je suis en train de faire. Je suis en train de couper des oignons et un bout de poireau. Ce sont mes seuls ingrédients d'assaisonnement que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà. Très simple, très simple.
Vous ouvrez les frigos, ce que vous trouvez, vous l'utilisez pour faire votre repas. Du sel, un petit bout de poireau, beaucoup d'oignons, l'huile d'olive en processus au feu. Il y a des oignons, mes oignons. Voilà. Tout simplement, hein, pas trop compliqué. Pendant ce temps, mon légume est en train de bouillir parfaitement. Je suis en train de faire mes oignons. Je m'assure que mon moulinette, voilà, m'a déjà produit cette pâte d'arachide que j'ai besoin tout à l'heure. Donc j'ai besoin tout à l'heure. Alors, à mes oignons, j'ajoute la viande. Ça, c'est la viande de canard. Donc, je trouve la tête à feu doux dans ce mélange. Je ne peux pas lui ajouter un petit bout de poireau. Voilà. Moi, je le cuis en fait dans ce mélange. Pendant ce temps, je prépare mon légume. Alors, pendant que ma viande est en train de se cuire, à feu doux, voilà, une autre marmite là, avec un peu d'eau, j'ajoute mes arachides. Wow. C'est vrai de débutant. J'ajoute ma pâte d'arachides. C'est pour commencer déjà la cuisson, puisque tout est déjà fait. Et je veux juste avancer la chose. Donc l'avantage, c'est que cette pâte d'arachide est déjà cuite, donc vous pouvez la manœuvrer comme vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, il faut tremper les arachides et après faire cuire. Bon, moi je dis faire cuire et après tremper, parce que là vous pouvez manœuvrer comme vous voulez, exactement comme ce que je suis en train de faire maintenant. Une autre fois vous ne pourriez pas, parce que si vous aviez trempé juste les arachides, il faut les faire cuire avant de pouvoir rajouter tout ce mélange qui est en train de se cuire comme ça. Voilà, donc vous mettez votre pâte dans une casserole juste à côté, et alors vous commencez le mélange, vous commencez à faire cuire votre mélange. Voilà, je me comprends déjà à la fatigue et tout, mais voilà, on va y arriver. Le moment de la vérité, c'est ce moment où j'ajoute mon légume, voilà, et je fais le mélange. Fais mon mélange, je continue de mélanger. Vous voyez quelle apparence ça a déjà. Ben, ce qui arrive avec les feuilles de manioc, c'est que on confond cela généralement avec du ndolé, mais voilà, c'est pas la même chose, même si ça a pratiquement le même mode de cuisson. Voilà, vous pouvez y ajouter encore un peu plus d'huile pour le rendre plus présentable. Rappelez-vous, je vous ai dit, la nourriture, c'est pas seulement le goût, c'est aussi l'image que nous voyons, l'image que nous avons devant nous. Donc un peu d'huile raffinée. Moi, j'utilise l'huile d'olive. Oh, vous avez le choix entre différentes qualités. Voilà, donc voilà. C'est un peu ça. Voilà. Alors, une autre chose essentielle, c'est du cube magique. Voilà, deux, c'est suffisant pour assaisonner. Alors, notre repas, il est prêt. Voilà. Feuilles de manioc
de notre chère maman de du GIC pour maintenant, voilà, de Bouddha, voilà, c'est fait de manière maman. Tu verras cette vidéo certainement, voilà, c'est pour te montrer que ta nourriture arrivait à bon port. Et feuilles de manioc, ironie du sort, feuilles de manioc que nous allons manger avec des tubercules de manioc. Voilà, c'est-à-dire produit de la même plante, deux aspects différents, mais un seul menu pour une même bouche. Alors, si vous avez aimé la vidéo, voilà, je m'excuse de mon langage, je m'excuse de la lenteur, je m'excuse de toutes les difficultés, de toutes les failles. Voilà, je suis un être humain. L'essentiel, c'est que vous apprenez à préparer avec ces vidéos de 10 minutes. Facile, pratique, tout le monde peut le faire. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Alors les gars, lancez-vous, préparez, faites la cuisine.